J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 14 janvier. Je viens de rentrer dehors. Okay, j'ai les joues toutes rouges. Là. Il fait comme moins 28. Mais je suis allée gratter pour faire plaisir à Francis pour qu'il fasse ça à soir. Puis je suis allée enlever le gros roulet qu'on avait devant. Parce que tantôt, il faudrait que j'aille faire 2-3 commissions que j'ai faites un matin. J'ai écrit dans mon pad de notes parce que j'ai plus de petites listes d'épicerie. Fait que j'ai des commissions à les faire. Fait que je me suis tant qu'à passer sur le roulet. Je suis allée gratter. Puis genre, on se gèle le cul dehors pour vrai, là. Puis genre, Léo, ça a été la crise pour qu'il rentre. Il gelait, puis il était comme... Il voulait pas rentrer. Oh, fait que... Fallait absolument que j'aille dehors parce que je sais plus quoi être en dedans. Et mon mani, il gêne, je sais plus quoi faire avec. Fait que ça m'a fait faire un peu d'exercice au moins. Puis, je voulais dire aussi, ce matin, j'ai mis ça dans mon café. L'autre fois, j'avais plus de crème à café, puis c'était genre la panique générale. Puis Francis, il est allé à côté faire des commissions, puis ma crème préférée, ben, était pas là. Fait que, il a acheté celle-là, puis pour vrai, je l'aime vraiment pas, là. J'aime vraiment mieux celle que je prends habituellement. Fait, je vais aller m'arracher tantôt. Fait que, ouais, fait que c'est ça le planning aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de vous apporter avec nous dans notre petite journée tranquille. Ça va se mettre un peu. Je voulais juste vous montrer mon petit dîner vite fait que je me suis fait. Fait que je me suis fait un genre de wrap là avec de la sauce chipotle maison, puis tomate, fromage, poulet, ben simple. Fait que tu sais, tard, je vais me couper des cocombes avec ça. Mais je voulais vous montrer, Francis a fait une sauce chipotle maison, puis je la trouvais vraiment bonne. C'était genre mayo avec du jus de lime, puis. De l'ail en poudre, puis je pense qu'il rajoutait un petit peu de fumée liquide, puis de sriracha dedans, puis c'était vraiment, vraiment bon, fait que je vais me faire ça. J'ai fait à Léo un petit grilled cheese, puis là, j'ai mis le film qui tripe en ce moment, c'est Bébé Boss. Fait que là, il écoute ça assis sur 10 ans, je sais pas si vous voyez au loin son assiette puis son verre, là, mais il mange bien tranquille, fait que je vais me couper des cocombes, puis je vais aller le retrouver. Il est rendu 4h07, je viens de sortir de l'épicerie. J'étais allée vraiment plus tard après-midi finalement, ça ne me tentait pas d'y aller ce matin. Puis j'en ai profité pour aller me chercher un petit Starbucks. Puis j'ai aussi acheté un petit cake pop à Léo parce que vu qu'on est parti, il n'avait pas pris sa collation. Puis je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va souper ce soir, j'ai pas pris de chance. Il y avait tellement de monde à l'épicerie. Comme vous le savez, là, dernièrement, je vais tout le temps genre, à l'épicerie au Super C. Puis, pour vrai, là, mettons, d'habitude, le jeudi, il refoule toutes les étagères. En tout cas, mais semble à ma connaissance. Maman. Quoi? Non, c'est rose. Est-ce que c'est bon? Oui, d'accord. Puis là, les tablettes, là, ils étaient vides. Là, ça n'avait aucun sens, genre, pour vrai. J'étais vraiment surprise. C'était comme si quand j'y allais le lundi, le mardi, c'était vide. Là. C'était comme. C'était pareil. Mais là, on était vendredi. J'ai acheté ce que je pouvais. Puis là, c'est ça. Je suis allée chercher un petit café à moi, puis Léo. Puis là, j'ai essayé ça dernièrement. Maman! Oui! Quoi? Quoi? Ouais, je vois sur
voyons, sur TikTok, là. Puis, tu sais, des fois, j'écris, mettons, un Starbucks drink. Puis, dans le fond, c'est, mettons, c'est des drinks à essayer au Starbucks. Des fois, ça marche pas tout le temps ici, là. Ils ont pas tout, voyons, ce qu'on peut essayer. Mais j'ai pris, dans le fond, la même affaire que je prends tout le temps, là, un latte glacé mocha blanc avec de la crème sucrée, là, la sweet cream foam sur le dessus. Puis, je trouve ça vraiment bon. Puis, dans le fond, là, j'ai mis de la purée de fraises dedans. C'est vraiment bon, là. J'allais mis sur Instagram, ma story. Je pense que c'est hier que j'ai pris ça. Une chance, j'ai des cartes cadeaux, je vous le dis. Sinon, j'irais pas autant souvent. Mais j'ai essayé ça hier. C'était vraiment bon. Puis, il y en a plein qui m'ont dit, mon Dieu, genre, tu m'intrigues. Ah, oh, c'est bizarre. Mais c'est vraiment bon, là. Ça goûte vraiment le quick aux fraises. Oui? Quoi? C'est-tu bon? Ça goûte vraiment, vraiment le coco fraise. Tu sais, mettons, si t'aimes pas ça, le coco fraise, genre, goûte pas, là. Mais ça goûte vraiment. Ben, ça goûte le café, un peu, mais avec un petit goût de fraise. Genre, je trouve ça vraiment bon. Mettons qu'il y aurait peut-être pas la sweet cream sur le dessus, je mettrais pas de purée de fraise, ça serait trop bizarre. Mais là, c'est comme si, vu qu'elle est sur le dessus, puis des fois, elle tombe dans le fond. Vas-y, quand tu prends ta gorgée, t'as le mélange de la. De fraise, sweet cream, puis le café. C'est genre vraiment, vraiment un bon mix dans la bouche, là. Mais si vous aimez pas les fraises ou les choses à saveur de fraises, prenez pas ça. Parce que ça goûte quand même les fraises. Mais j'avais déjà voulu essayer ça. Mais moi, je l'avais demandé à ce qu'on le mêle déjà dans la mousse à la vanille, là, ma sweet cream. Je voulais qu'on le mélange au travers pour que ma mousse soit aux fraises. Puis ici, ils peuvent pas, là. Ils ont vraiment genre juste à la vanille. De fait, il y en a pas comme à saveur. Oui, Léo, qu'est-ce qu'il y a? Léo, là, il est parti sur un trip aussi. Maman, oups. Maman, maman. Puis là, je réponds, je fais oui, qu'est-ce qu'il y a? Puis, il n'y a rien. C'est juste pour dire maman. J'aime ça, là. J'avais hâte qu'ils disent maman. Mais moi, vous dire que là, des fois, j'aime moins ça. Fait que c'est ça. Là-dessus, je vais casser la route jusqu'à la maison. Je vais aller faire l'épicerie en arrivant. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Mais c'était vraiment le minimum, là, genre des légumes, des fruits, quelques petites pâtes d'ours pour Léo. Il y avait tellement rien à l'épicerie, là, que je vous ai dit tantôt. Je vous ai dit tantôt que je voulais acheter la crème à café, parce que celle que Francis avait achetée, je l'aimais pas, là. Le comptoir de crème à café, genre, à saveur au complet, là, genre, soit Starbucks ou Delight, il était vide. Il n'y en avait plus, genre, c'était vide. Il voyait juste les prix. Pour vrai, c'était vraiment surprenant. Il n'y en a plus, Léo, tu l'as tout mangé. Mais il n'y en a plus. Maman n'en a plus, j'étais le seul, je t'ai acheté. J'en ai plus. Je viens d'arriver à la maison. Je vais vous faire mon petit haul d'épicerie, mais avant, je voulais vous montrer la sélection de bière à Francis. Puis j'ai demandé de venir pour vous les présenter. Il m'a dit non. Fait que lui, il est allé se cacher. Fait que je vais vous le montrer. Ceux qui sont fanatiques de bière noire, Francis, ils aiment vraiment ça. Fait que je vous les montre. Je peux même pas vous dire quoi que ce soit dessus parce que je connais rien à ça. Puis, ça y tente pas. Fait que ceux qui viennent du Saguenay, il est allé au marché du coin à Arvida. C'est ça, c'est Arvida, Francis? Ouais. Puis, il y a vraiment une bonne sélection de bières. Fait que c'est ses choix pour le week-end. Ou peut-être plus longtemps que le week-end. Fait que bref, c'était la petite sélection de bière à Francis. Ils m'ont dit c'est sombre, fait que j'ouvre la bière. Mon Dieu. Plaisant, ma vie de famille. Fait que j'ai pas acheté grand chose d'exceptionnel, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment ça. Quand on achète, quand on monte notre épicerie. Moi j'aime ça écouter ça parce que ça me donne des idées quoi acheter des nouvelles affaires. Puis là, on dirait que je sais pas par où commencer. Fait que j'ai acheté du pain. Des bagels de céréales et de grains entiers pour moi. J'ai racheté ça. C'est pas du Nutella, mais ça revient au même. J'en avais plus pour Léo. Puis j'ai racheté un petit pot de Cheese Whiz aussi pour... On va pouvoir acheter l'autre, Francis. J'en ai acheté un petit. Pour aussi faire un switch, parce qu'il mange tout la même chose, c'est les toasts tout le temps du bord de pin. C'est moi, je mange tout le temps du Philadelphia. Léo, j'aime ça faire du changement. Ensuite, j'ai acheté des yops pour moi. Léo, il y a ses nanos, là.
Mais ça, j'ai acheté des yas parce qu'ils étaient à 75 cents chaque. Puis, comme je vous ai dit, là, les tablettes étaient vides. Fait j'en ai pas acheté une panoplie. Sinon, pour ce qui est des fruits et légumes, j'ai racheté une pomme de salade comme ça. Ben, trois pommes de salade pour faire des salades. Un ananas. Des raisins rouges. Des avocats. Parce que je trouvais que dans mon wrap à midi, il manquait d'avocats. Puis j'en avais plus, fait que je suis allée m'en acheter. Ils sont quand même très grosses, ce qui est très rare. Hein, d'habitude, c'est plus petit que ça. J'ai acheté aussi trois pommes pour mes collations. Puis aussi pour... J'achète toujours trois de chaque. Je sais pas pourquoi, mais je suis dans les trois. Puis j'ai aussi acheté trois bananes, parce que j'avais plus de bananes pour mon déjeuner. Après ça, j'avais un petit goût de salé. Fait que je me suis pris ces chips-là. Sel et vinaigre, parce que, je vous l'ai dit dernièrement, j'ai vraiment aussi un trip sel et vinaigre comme mes crispy mini. Puis, c'était ceux qui étaient moins pires dans les glucides, parce que c'était 32 croustilles pour 31 grammes. Fait que, dans le fond, j'ai comme le droit à 31 croustilles. Fait que, dans ce temps-là, ben, j'y compte. Mais, les autres sacs que j'achète habituellement, comme, mettons, des Ruffles ou des n'importe quelle autre marque, genre des Lay's, tout, c'est tout entre 20 et 22. Là, j'ai le droit à 10 de plus, fait que j'en profite. J'espère qu'ils vont être bonnes, je les ai jamais goûtées. Ensuite, mon autre craving de femme enceinte, c'est des yogurt tubes congelés. Fait que là, je suis en train de venir ma boîte. Là, j'ai acheté un paquet de trois boîtes différentes. Fait que ça va vraiment être bon. J'ai fraises, framboises, bananes. Puis je crois que j'ai comme fruits mélangés. Ouais, punch aux fruits. Je vais pouvoir les mettre dans le congélateur. Sinon, il y avait des rabais aussi pour des pâtes d'ours pour Léo. Fait que j'ai pris ces deux sortes-là. Et j'ai aussi racheté des céréales pour lui. Des croque-canons. Mais oui! Fait que c'est ce qui conclut mon petit haut. C'était mes petits achats super simples. Fait que là, je pense recevoir un colis bientôt d'Amazon. Fait que je vais vous montrer ça à son arrivée. J'ai reçu un message à 4h30 que Intellicom était en route. Fait que j'ai reçu mon colis à maison. Fait que je voulais juste vous montrer... En vrai, c'était pas un gros colis, puis c'était même pas pour moi. En plus, le colis. Mais j'en ai profité, parce que là, il rentre genre 9h. J'ai reçu, je pense que c'était 5h, mais... on a soupé, France est allée patiner, puis moi, je suis restée avec Léo à la maison. Puis là, ben, quand il s'est couché, j'en ai profité pour me laver et laver mes cheveux. Mais dans le fond, j'avais commandé certaines petites choses. Puis j'avais pensé y acheter genre des puzzles. En vrai, c'est des casse-têtes. Mais c'était comme en paquet de 4. Puis j'ai des casse-têtes ici, mais là, il me manquait genre des. J'étais pas satisfaite de toutes les casse-têtes que j'avais. Fait que j'en ai comme acheté. Là, c'est des paquets genre de 4. Fait que j'avais ça pour ce qui est des lettres et des. Voyons, des chiffres et des formes. Ensuite, ben là, ça venait aussi avec des avions, des camions comme IM. Ensuite, j'ai trouvé un comme ça de l'alphabet. C'est sûr que c'est tout en anglais, mais moi, pour vrai, ça me dérange pas. Tu sais, tant qu'il sait que ça, c'est un, tu sais, c'est la lettre A, et voilà, ça aussi. J'en avais pas de l'alphabet. Puis j'ai aussi des poissons. Fait que je trouve ça vraiment cool. Ils ont l'air de bien faire. C'est un paquet de 4 pour 25, je pense, sur Amazon. Fait que je voulais vous les montrer parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui aiment bien voir des achats pour Léo aussi. Fait qu'en vrai, c'était juste ça. Mais là, j'ai comme envie de manger un yogourt turc, mais je me suis dit que pour vous, j'allais goûter mes chips qui est d'une marque que je ne connais pas. Fait que j'allais goûter pour voir si ça bat les autres chips, mais c'est sûr que c'est juste parce que je fais des habits que je les ai achetés, sinon j'aurais acheté les Miss Vicky. Les Miss Vicky, c'est les vinaigres, c'est le meilleur. Ils sont pas méchants. Ils font vraiment beaucoup de crunch crunch. Un peu comme Miss Vicky. Miss Vicky, ce qui est bon, c'est qu'ils sont épais. Puis ils font vraiment crunch crunch. Puis on dirait qu'ils sont dans le même style. Mais ils goûtent pas beaucoup le salé vinaigre. Mmh. C'est pas méchant. Fait que c'est ça, fait qu'on va se reparler au courant de la semaine. Salut! On est rendu lundi. J'ai d'arriver de travailler, là, il est environ... Il est rendu 5h20, puis
C'est ça, j'ai pas vlogué en fin de semaine finalement. C'était vraiment une fin de semaine super plate. Je sais pas pour vous là, mais sérieux, rester enfermé chez nous de même, ça faisait tellement longtemps. Puis on avait rien de planifié, puis il faisait full froid dehors, fait qu'on fait comme pas sortir vraiment Cléo dehors, fait que le temps était vraiment long. Fait que je nous ai dit que les prochaines fins de semaine, il fallait au moins se trouver des choses à faire parce qu'on allait trouver vraiment les autres fins de semaine longues. Fait que c'est ça, puis c'est en fin de semaine que j'ai annoncé le sexe de bébé 2 à notre belle à ma belle famille en fin de semaine, puis ils étaient vraiment, vraiment contents. Vous l'avez sûrement vu dans mon dernier vlog en fait. Fait que je pense que la dernière fois que j'ai vlogué, c'était vendredi. J'avais fait quelques commissions. Mais là, c'est ça, dans le fond, il fait full mauvais dehors. Ça n'a pas de bon sens. On est lundi de la tempête, là. Fait que là, François en garde dehors avec Léo parce qu'il fait pas trop froid. Fait que moi, je vais vous en profiter pour. Je vais en profiter pour vous montrer quelques petits achats. Dans le fond, je t'ai arrêté aux Jean Coutu en finissant de travailler avant d'aller chercher Léo parce que j'avais mes médicaments à aller chercher. Mon petit cocktail de médicaments. Dans le fond, les médicaments, là, pour ceux qui m'ont demandé. Mes maux d'estomac, dans le fond, là, fait que je prends une pilule le matin puis une pilule le soir. C'est vraiment pour les brûlements et les reflux. À Léo, j'en ai fait vraiment, vraiment. Puis c'est vers la fin de la grossesse qu'on m'a dit qu'il existait des médicaments autres que des Tums que je pouvais avoir en prescrit pour m'aider. Fait que moi, aussitôt que j'ai tombé enceinte cette grossesse-ci, j'ai demandé d'avoir des médicaments vraiment prescrits qui sont faits pour les maux d'estomac parce que moi, des Tums, je pouvais les prendre le maximum par jour. Ça faisait vraiment pas. Fait que j'étais allée chercher ça parce que j'en avais plus. Sinon, j'ai de la synthroïde aussi parce que pour ma glande thyroïde, dans le fond, j'ai des problèmes de glande thyroïde enceinte. Fait que je prends de la synthroïde pour ça. Et j'ai aussi des aspirines que je prends avant de me coucher le soir pour éclaircir mon sang. Parce que c'est ça, j'ai une maladie dans mon sang, moi. Et tu sais, vu que je fais de l'embonpoint puis tout, ben, ils prennent pas de chance quand t'es enceinte, là. Souvent, ils vont te prescrire des aspirines pour aider la circulation. Puis, je suis allée me chercher aussi là, des petites aiguilles comme ça là, pour mon insuline, parce que j'en avais plus. Fait que bref, ça, c'était parenthèse grossesse. Sinon, j'en ai profité pour me faire des achats. Fait que j'ai racheté mes petites patches préférées à vie de Karine Jonka. Fait que je n'ai acheté deux parce que je trouve qu'un, c'est pas assez. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant, là, mais ceux qui utilisent ces patches comme là, comme ça, j'en ai déjà pardon, parlé plein de fois. Mais quand vous l'utilisez après une première fois, vous pouvez les remettre sur le petit papier puis les mettre au frigidaire. Puis vous êtes capable de les réutiliser au moins 2 à 3 fois après. Fait qu'à place de les jeter après la première utilisation, vous pouvez les réutiliser. Fait que ça fait moins mal au cœur parce qu'on va se le dire que c'est quand même pas donné. Sinon, je me suis racheté un mascara, encore un nouveau, parce qu'on dirait que. Je sais pas à long que je me tanne de ceux que j'ai. Puis là, j'en avais plus. Fait que je me suis acheté celle-là de Maybelline. Est-ce qu'il fait bien? J'en ai aucune idée. Genre, parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai pas tant de cils. Là. Je sais pas si vous voyez, là. J'ai des petits, petits cils. Fait que j'essaie tout le temps d'avoir des mascaras qui ont l'air à comme avoir un regard et des cils plus volumétueux. Puis j'ai acheté ça. J'ai vu ça sur TikTok. Écoutez, c'est des achats sûrement dans la tête. Des coups de tête, là. Mais dans le fond, c'était comme genre un genre de. Sculpteur instantané pour les sourcils. C'est un fini, il y a un fini non collant. C'est genre pour placer les sourcils là. Si mettons, je vais pas mettre de petits mascaras sourcils que je mets. C'est genre une colonne. Bref, j'avais vu sur TikTok, la fille elle faisait, pis ça avait l'air à bien bien faire pour des sourcils. Fait que j'ai acheté ça. Puis pour Léo, j'ai acheté du bain moussant parce que j'en avais plus. Puis ça, j'aime beaucoup Attitude. Celle-là, je l'avais pas acheté encore, cette saveur-là. C'est poire et vanille, puis ça sent vraiment bon. Genre, à travers le masque, je pouvais le sentir. Puis là, je suis arrivée. Non, ce matin, j'ai reçu un message de mon amie Vicky par Messenger qui me disait « Je pense que t'as du courrier. » Puis là, j'étais comme « De quoi qu'elle parle, genre? » Parce qu'elle est comme rendue à Ottawa, je pense. Puis là, j'étais genre « Pourquoi tu dis que j'ai du courrier? » Puis elle était comme « Ah! » Puis là, j'étais genre « C'est étrange. » Puis je t'arrête à la malle et j'avais un colis de Clément. Fait que je sais pas ce qu'elle a acheté. C'est sûrement pas pour moi. Mais bref, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Genre à quel point j'ai une amie extraordinaire. Je peux pas croire que genre. C'est des choses pour bébé 2. C'est toute rose. Elle va me faire broyer. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Ben oui, ça vient de Vicky qu'elle a fait cette commande-là. Oh mon dieu, Vicky, t'es tellement la meilleure. Fait que je vais vous montrer ça. J'ai vraiment envie de broyer. Oh, elle a acheté une genre de petite brosse à dents comme ça.
J'en rêve toute rose. C'est une brosse à dents massante. Masse doucement les gencives et nettoie les premières dents. Elle est vraiment trop fine. Ensuite, un beau petit jouet et tabarouette. J'allais dire un petit, mais un gros jouet de dentition. Ça va-tu focusser, oui? Il est trop beau! J'ai vraiment envie de broyer. Je me contrôle. Elle a aussi acheté une petite affaire comme ça d'avocat. Moi qui aime les avocats. J'en avais acheté un aussi à Léo à sa fête à ses 1 an. Oh, je suis trop contente! Oh mon dieu, un petit lime! Oh, il est trop beau! Elle a acheté un pyjama arc-en-ciel. C'est un 6 mois petit lime. Oh my god, Vicky, t'es malade! Avec un zipper tellement beau. Une bavette en silicone de Lollipop. Elle est vraiment belle. Sérieux, des bavettes en silicone, là, je les adore. Léo a juste ça. Puis pour vrai, je m'en passerai jamais. Oh! Une serviette de bain en licorne! Oh, c'est trop beau! Merci tellement, mon ami. Oh, je suis tellement contente. Genre, à quel point, pour vrai, je vous souhaite d'avoir une vie qui de même dans votre vie. Fait que là, maintenant que je l'ai déballé, ben, j'ai appelé. Parce que ça se peut pas. Je peux pas croire que, genre, elle a fait ça. Genre, ça se peut pas de bon sens. C'est comme... Merci! C'est tout beau! Bon, fait que excusez, j'ai coupé ça bien sec là, quand on s'est appelé. Fait que c'est ça, j'y ai parlé. Puis là, ben, je vais continuer à faire le souper. Là. On dirait que je suis comme. J'ai genre dit merci, je peux pas croire que t'as fait ça. Fait que, à son français, il a fait des plombs de poulet dans le four. Il a fait genre. Il a mis genre dans un sac des ziblocs, des plombs de poulet. Puis il a mis genre de la petite poudre d'assaisonnement. Fait que là, c'était en train de cuire dans le four. Ça sent très bon, puis on va se faire une bonne salade de légumes avec ça. Puis on va juste comme rien faire encore à soir parce que il y a pas grand chose à faire dans nos soirées. Ni pas mal tout le temps. Fait que là-dessus, je pense que je vais conclure mon petit vlog parce que je sais pas où est-ce que ça va nous mener cette semaine. Je travaille, les journées se ressemblent, on fait pas grand chose de différent. Fait que je vous dis merci d'avoir écouté mon vlog encore une fois. Puis je vous dis à bientôt! Bye!